On redoute la mort de plusieurs centaines de personnes après qu'un énorme glissement de terrain a rasé des dizaines de maisons et enterré vivantes des familles dans un village isolé du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tôt vendredi. Ce village se trouve dans la province d'Anga, à environ 600 km au nord de la capitale, Port Moresby. Les travaux d'excavation et de secours devraient durer plus de 3 mois. D'après les médias locaux, d'autres glissements de terrain sont à craindre en raison de l'instabilité des fondations du sol.